Ta-ta-ta-da! Zelda! Bûcheron Simulator! Il faut que t'ailles battre Ganon. Félicitations, mon garçon. Allons.
J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Et comment ça se fait que tu ne vois maintenant ? Je m'appelle Roam Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil, alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ses paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale et une armée de gardiens, des soldats mécaniques capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un proche chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon le Fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Vas-y, tu parles pas comme ça du roi d'Hyrule, Lucas. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces,
Eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les quatre créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette chez Ika indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminé, puis prends la route qui part vers le nord. Ouais, arrête de te moquer du roi, y'a que moi qui est droit. TX. Il y a des speedrunners qui font ça en 10 minutes. Moi, ça m'a pris 3 heures. Le talent, quoi.
Gameplay émergent sur 20. En soulevant tous les cailloux du pays, j'allais finir par trouver un Kogoro. Un petit peu dans le vide là. La pêche. Salut. Mais je te sous-estime pas du tout, je voulais juste t'aider, vas-y. Commence pas un espèce de féminazi de Twitter, toi. Hein. Ah. Bon, tu m'offres du pain et du fromage. Et on sait que t'es fort. Pas le problème. Je viens vous aider parce que j'aime bien, moi. Thank you.
En fait, il est tout pourri, mais... Elles ont même envahi Hyrule. Mais ouais, c'est clair! C'est de la folie, je la sauve et en plus elle se plaint. Hey, Pierre-Lou! Nice to see you, man! C'est assez rare pour le noter d'ailleurs. Ça fait plaisir de te voir. Une albardrouillette. Vas-y, reviens là. C'était sûr. C'était sûr que ça passerait pas. C'est trop tôt, j'ai pas assez de vie. Faut plus de cœurs. Faut que j'aille farmer des cœurs. Comment on fait pour avoir plus de cœurs déjà? Faut que j'arrive à me rappeler. Vous inquiétez pas, ça va me revenir. C'est qui a tiré du cul quand même. Thank you.
Bon, du coup, les marchands, ils sont plus là. Alors, je pense que tu voulais écrire hôtel dans le sens les hôtels, les épreuves. Du coup, c'est pas comme ça que ça s'écrit hôtel dans ce cas-là. Vu que c'est un hôtel religieux, en fait, c'est une stèle, en fait, pour eux. Du coup, c'est A-U-T-E-L. Et oui, je sais, j'ai l'air d'un vieux con quand je dis ça. Mais c'est pas inintéressant à savoir. Passera la visée, hein. Hôtel. Ah bon, j'ai compris, hein. J'ai compris de quoi tu parlais. Je pense qu'on peut dire le niveau de Bakel tout court, hein, je veux dire. Pas juste à l'arc, hein. Comme là, je le sens. Je le sens que je suis en train de faire une connerie, tu vois. Je sens que le verre pilé arrive. J'aime bien faire le malin une fois de temps en temps. On peut pas souvent. Faire une blague.
J'ai l'impression qu'il a pas trouvé ça marrant. Qu'est-ce que vous en pensez? Un bouclier rouillé, une dent déracinée, une épée rouillée, pour remplacer celle que j'ai cassée. Bourse de pièces, on remplit ma bourse, remplis des bourses. Et si, regarde, il est littéralement mort de rire. Eh, t'as vu? Ça, c'est du niveau, tu vois. Je suis tellement fort que je suis en train de relever un boss. La prochaine fois? Ouais, je sais que c'est pas très dur de vous tuer, en théorie, mais... Vu mon niveau actuel... Back alive. Un peu de courage. Je reviens, Baku, ne viens, ne meurs pas. Et je fais pas que mourir non plus. Enfin. Me faites pas passer pour un con quand même. Dommage. Ça me fait bizarre parce que je me rappelle que les Kogoro, on les trouvait par pack de 50. Et au final, j'ai pas l'impression d'en avoir trouvé tant que ça, en fait. De la viande de volaille. Ah ouais, ils sont nombreux en fait. Il me manque ce petit côté, comment dire, backdash, esquive. Je peux plus escalader d'un coup là.
Prends en compte que tu n'as pas un sniper. Et le truc, c'est pas de prendre en compte que j'ai pas un sniper, en fait. C'est que le problème, c'est que quand je bouge la manette en visant, tu vois, enfin, je sais pas si tu vois. Quand je bouge la manette, en fait, tu vois, ça bouge le viseur. Du coup, quand je vise moi et que je fais un demi-millimètre, ça écarte lorsque je voulais. Du coup, mon premier tir était bon et mon deuxième était légèrement décalé à cause de la manette. C'est un truc qui... Ah, pas à mort la manette, mais c'est un truc qu'il va falloir que je règle. Clairement. Je vais pas pouvoir continuer à jouer comme ça. Faut que je regarde s'il n'y a pas des paramètres pour retirer le balance move. Ah ouais, un bouclier niveau 16 quand même. Je crois que je vais pas le laisser par terre. Après, je tirais pas à mort la manette, mais clairement, est-ce que c'était vraiment une maniabilité qui était nécessaire? Je ne pense pas. Après, il fallait jouer avec toutes les possibilités de la console. Ça, je le comprends. Les chambres. La 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 la, flèche en bois. La 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 la. Après, il y a un dragon ici. Huh?
Ah mais tu l'as pas fait du coup, Pierre-Loup ? Ah parce que moi je t'ai entendu me dire des astuces pour des trucs, donc oui, je croyais que tu l'avais fait le jeu. Si c'est pour vous spoiler, vous allez me dire vous venez regarder un stream. Donc. Vous spoiler n'est pas votre problème. Bah tu sais, t'as les trois dragons. Et le dragon foudre, il va jusqu'à ici. Hein. Dragon de foudre, il va jusqu'à là. Tu peux le visiter ici. Je sais parce que c'est moi, c'est ici que je l'ai rencontré pour la première fois. Avec plaisir. Ah, salutations, Black Star. Ouais, j'ai contourné tout le chemin que t'as utilisé. Ah ouais, forcément. Ouais. Tu m'as trouvé. Bah c'est une mauvaise idée de façon de passer sur le pont parce que si je me rappelle bien au milieu là, il y a pas mal d'ennemis. Voilà. Genre des ennemis que t'as pas envie de rencontrer maintenant. Encore une réunion des streamers anonymes. Voilà. Ça va bien. Tout ce qui compte en fait. Comme je dis souvent. Zora. Ah bah si, on va la prendre, oui. Ouh, j'ai pas besoin de deux marteaux. Trop d'armes.
Fuis, Baka, fuis! Bon, vous avez été gâtés pour Noël, les enfants. J'espère que vous aurez eu tout ce que vous comptiez avoir. Et plus encore. Eh ben passe une bonne nuit mon ami et à l'année prochaine en effet. Faites beaux rêves. Des bisous. De toute façon je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Et on reprendra demain. Prêt comme un cardon. Les cardons qui sont très bons en... Ça va, j'ai eu une nouvelle épée. Ok. T'as vraiment envie de tuer des gens en fait, Black. Je vais pas te critiquer, j'ai moi-même une certaine collection. Ah, on va pas utiliser ça. C'est un Dragon Ball où il voyage à travers les dimensions. Tu voyais quoi comme sens final à cette aventure? Au final, c'était juste une excuse pour faire un bon petit RPG baston sur l'univers de Dragon Ball. Hein. Si tu voulais un vrai Dragon Ball avec un vrai avec une vraie histoire, fallait prendre l'autre, le vrai jeu de combat. Ah non, mais le jeu est très bien. Le jeu en lui-même est très bien. C'est juste que ça me fait marrer de t'entendre dire le jeu n'a pas de sens.
Ben oui. D'accord. Je sais pas si c'est ce que j'utiliserais en disant le système de combat est exceptionnel, mais... Le système de combat fait le café pour ce qu'il doit faire. Une flèche ? Vas-y, c'est punitif. Pour te dire, l'histoire du 1 a plus de sens que celle du 2. Ouais, mais l'histoire du 1, elle tenait déjà pas beaucoup le truc, sans vouloir être méchant. Du coup, c'est sûr que celle du 2, en partant en plus de celle du 1, elle allait pas avoir beaucoup plus de sens, quoi. Un peu du sens commun, à ce niveau-là. Pour paraphraser... la paraphrase. Paraphrasement. C'est ton sens de l'humour qui est exceptionnel. Mais je t'ai toujours dit. Je me rappelle pas avoir eu tant de mal dans le... Enfin, ma première run, quoi. Comme toujours, hein, on garde toujours les côtés les plus positifs des jeux, mais... Oui, pour toi, c'était le système de combat qui remplissait le contrat. Par exemple, pour moi, ça serait plutôt l'histoire, tu vois. C'est aussi pour ça que je peux pas accrocher à ce genre de jeu. Alors qu'un bon guilty, tu vois. Pour moi, ça fait le café. Et voilà, on ne cherche pas la même chose non plus. Et j'ai envie de dire, heureusement d'ailleurs. Attendez, j'ai pris des dégâts pour quoi là?
Ah oui, mais heureusement d'ailleurs. Franchement, si tout le monde était comme moi, déjà, ça serait relou. Ça fera un bon grand nombre de connards quand même. Beaucoup trop pour que les humains restent en vie. Puis non. Et aussi, on était tous comme moi, il y aurait que des RPG. Des RPG japonais en anglais. Je pense que ça finirait pas de râler quand même. Donc tu vas me dire, s'ils étaient tous comme moi, ils feraient des RPG en français. Du coup, les amis, on va se quitter ici pour l'instant. Je vais prendre la tour et on se dira bonne nuit et on se reverra demain pour plus d'aventures sur Bakel Live. En live, en Bakel Division. Mais il râlerait quand même. Ah non mais même tout seul j'arrive à râler hein. Donc entouré de gens comme moi. Il y a moyen que ça finisse mal quand même. Ça fera un beau gros tas d'emmerdeurs. Est-ce que j'ai activé la bonne région? Je suis en train de me dire que j'ai peut-être activé un peu trop au sud. Faire chier le monde, c'est la vie. Non. Je suis allé un peu au sud. Les amis, je vous souhaite une très bonne nuit. On se retrouve très bientôt sur Bakel Live pour de nouvelles aventures dans Zelda Breath of the Wild. C'est... En général, il y a toujours au moins un ou deux sanctuaires visibles depuis la tour. Bonne nuit, petit panda. Bonne nuit à toi, mon Alucard. Bonne nuit à toi, mon Blacou. Bonne nuit à tous ceux qui ne parlent pas, mais je vous aime quand même. Jeune homme, je pense que vieil homme serait
serait plus précis dans mon cas. Mais j'apprécie le compliment. Ah, il manque un caillou là. La gelée de chouchou. T'es la bande à chouchou. Ouhou. Là y'en a 4, là y'en a 4, là y'en a 4. Et là y'en manque un. Il faut trouver un caillou. Caillou, hibou, caillou. C'est la bande à Picsou. Ouh ouh. Na 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 na. D'ailleurs j'ai hâte de rentrer chez moi pour voir le tâté le petit Assassin's Creed aux essais. J'apprécierais que t'arrêtes de dire des conneries 5 minutes mais... Ou encore me dire que je fais du mauvais esprit, que je suis négatif... Le pire, c'est que j'ai le précédent et je l'ai même pas allumé, quoi. Le Assassin's Creed en Égypte. C'est pour vous dire combien la licence avait fini par me gaver. Oh, le caillou qui était caché dans l'herbe, quoi. Comment ça se fait trop pas? Ah mais moi aussi j'étais fanboy d'Assassin's Creed, hein. J'étais le premier à tous les défendre et tout. Mais non. Ah, you
Ces énigmes à la Skyrim. Ah oui, non mais... En même temps, les Kogoro, il y en a 900 sur la carte. Autant dire... Le niveau énigme, ça vole pas haut. Eh, hey, laisse-moi tranquille. Vas-y, j'ai pas touché à ta maman, alors. Ne me dis pas que tu vas tous les chercher. Et je les chercherai pas tous en live. Rassurez-vous. Mais si, je vais tous les chercher. En même temps, l'Assassin's Creed, c'est pas mieux, hein. Ramasser 25 pigeons, 32 feuilles, 72 bouts de tissu... Enfin, à un moment, c'est pareil, quoi. Et ce débat, nous ne l'aurons pas ce soir. Nous pourrons l'avoir dès demain, si tu veux, sur Bacalaï. Vers 10h, je pense. Vers 10h, ça devrait être bien. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne nuit. À bisous, à demain.